Du Tranchet, poème de Blanche de Castille, poème de Lassalle, Je rencontre Aucassin à Nicolette, poème des Béguines, poème magistrat Hersende, poème de l'impartialité, etc. Ce sont les titres de ces poèmes qui nous environnent et qui seront publiés dans 3 jours aux éditions Lanskine, dont on apprécie le timing impeccable, dans un livre qui s'appelle « Au cœur du cœur de l'écrit ». Voilà. Est-ce que tu peux... je vais te demander cet exercice extrêmement simple de présenter ce livre. De quoi il est question dans Au cœur du cœur de l'écran ? Ce que j'ai lu sur Internet, les premières choses que j'ai lues, c'est... Bon, voilà, on a Anne de Bretagne. Les Bretons veulent en faire une figure hyper importante par rapport à l'indépendance de la Bretagne. En fait, elle n'a pas eu d'influence du tout. Donc ça, c'est les historiens français. Et les historiens bretons disent... Elle a eu une importance folle, c'est une figure de proue de notre territoire. Et moi, je me retrouve au milieu, je ne me sens pas spécialement bretonne et je ne me sens pas spécialement française, en tout cas pas historienne française, pas historienne mâle française, pour le dire très très précisément. Et du coup, je vais chercher de ce côté-là, à savoir quelle est la place de la femme et de cette femme particulièrement sur ce territoire et en lien avec la France. Et du coup, là, je commence à comprendre que Anne de Bretagne a été mariée super jeune, que son père est mort et il avait passé un traité avec non pas Charles VIII qui a 13 ans de la même manière que Anne de Bretagne, enfin Charles VIII il a 50 plus donc il se marie, elle a 13 ans, lui il en a 18, mais il accède au pouvoir seulement en se mariant et il y a une femme derrière lui qui est sa sœur, qui est Anne de Beaujeu, que Louis XI en fait, enfin tout ça c'est dans les poèmes, hein, mais... Au cœur du cœur des archives de l'écrin, là où s'enroulent les traités de Guérande révoqués et les contraintes des mains d'Anne de Bretagne et de Louis d'Orléans signées, là où s'affaire, où l'affaire de la tour de Nesle n'aurait pas dû être une affaire, je rencontre Jeanne II de Navarre. Au cœur de l'écrin, je la rencontre vitupérant, râlant, tempêtant, donnant des coups de pied, la poussière vole sans que le temps n'en ait rien effacé. Sa colère la vive plutôt les en passant sa colère. C'est un micmac pour financer des guerres, encore et encore des guerres au bord des lèvres françoises, au cœur du cœur desquelles Jeanne est née. Née d'une mère qui, parce que plusieurs a aimé, a été tuée. Jeanne a 4 ans, Jeanne a 5 ans quand d'un verre d'eau glacée son père meurt. Au cœur du cœur de l'écrin, combien de verres d'eau glacée ont tué combien de rois, de reines, de princesses et de dauphins ? Aucun de mes tâtements ne tâtera héros, ce croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en tatophile enfer, la terre, ta majesté. Tu ne me proposes pas là, kiff-kiff, d'être ta tout à toi ? Ta majesté, jamais je n'oserai. Tatophile, tu maîtrises mal ton fin à mort, je te formerai. Mais avant, allons, dame et fissa, le pion d'âne de France.